is working. The exactly. entire village, the entire neighborhood, there is no good story. L'un de grands hommes de Dieu et un grand homme d'affaires congolais évoluant en Afrique du Sud, Pasteur Alpha Lukau, c'est en séjour en Kinshasa, à Kinshasa. Cette fois-ci, ils allaient pour na Makambo et Tali Évangile, mais pour na une activité ou un sens très particulier, Tourmeka ou Solola, na Oazali représentant yaba Église. Alléluia, Amen. Namboka Angola, Azali P également, homme de Dieu, pasteur Ricardo. C'est l'un de proches, plus proche, il y a pasteur Alpha Lukau. Bonjour, pasteur Ricardo. Bonjour, le grand journaliste, mon frère Raphaël Walukonka, représentant, il y a télévision Info 243. Alors, merci. Alors, Lélo, retour et Koya et pasteur Alpha Lukau, c'est vrai, c'est un Congolais, mais a évolué plus dans le Liban et en Boka. On a Kinshasa, d'abord, Koya na Ezali Ponanini, cette fois-ci. Bon, Kolobela, pasteur Alpha Lukau, on a l'attente, on a Olobela, je parle avec beaucoup de. Je tremblote parce que je parle de quelqu'un que je connais, qui a changé ma vie et qui a changé la vie de beaucoup de gens. Qui a impacté mon ministère. Naza moko yabana oyo naza ki grâce aux alamwana naye nazo représenté en Angola wapi bisika paye azo sala misala ya minene ezala na oyetali social ezala na construction ya mboka azo sala makamba minene na bamboke bele tango zo lobake azana Kinshasa pour quelle mission. Je crois que bah, bah, yebi moi moke histoire ya pasteur Alpha Lukau azali un Congolais mais oya zo ki une grâce particulière ya ko évoluer na Congoté mais ya ko évoluer na bamboka bapaya ndingo wuchelo ba Afrique du Sud lelo na Europe na monde na États-Unis partout en Afrique vraiment azani représentation te même en Asie azani représentation te Azana Kinshasa pour une mission humanitaire. Abi que passer Alpha Ndengo Utiko Lobandeor ya Évangile, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Azana motema ya munene, motema bo papa, motema bo mama, motema moko ya munene. Tozana temps oyo mboka ezo passer moment difficile ya pandémie. Je crois na mona ki mikolele ki ya une télévision qui a montré ce qu'il faisait en Afrique du Sud tango bakangama ki na bandaku. Il a donné son mieux ndenge ka Yesu azako tala azako sala plutôt ermo kwa teibatu lermo so avandisi batako mo lesa batu mapa. Donc c'est ça la chose que nous voyons dans le ministère de cet homme, de ce grand homme de Dieu, l'apôtre Alpha Lukau. Alors ici à Kinshasa précisément, vous êtes venu pour une action humanitaire. C'est vrai que l'action humanitaire mais ça l'aimera ébélé, mais quelle est la particularité yaye arosala ngo dans l'église pour na ba fidèle l'église alléluia amen, ou c'est quoi en fait la particularité bon, y a action arosala pasteur Alpha Lukau azana ministère moko oyezali vraiment trop particulière na sens nini azamut oyo a se focaliser kaka na bandimi église na yete la preuve année na tango mboka ezalaki confiné na bamboke belé en dehors ya Afrique du Sud, na Angola, na Mozambique, na Zambie, na bamboke belé ya Afrique awa atanda ki loboko na ye pona ko lesa bato o bazaki ka ba fidèle na ye église te. Des veuves, des orphelins, il a des orphelinats par-ci par-là, même en Angola, il a des orphelinats oyo ye azo lesa bana. Donc c'est quelqu'un qui a un grand cœur kaka pona bandimi église na ye te. Mais surtout pour n'abattre au bazo souffrir. Siko Ana Kinshasa, c'est vrai que la souffrance est une réalité palpable à Ana Kinshasa. Il va le faire dans un stade où les gens vont venir, selon Mutula Motoaya, où ça va se passer comment en fait cette action humanitaire au Sala. Pour la première fois d'ailleurs, Ana Kinshasa. Bon, peut-être pour la première fois, et ça pour la première fois. De façon visible. De façon visible, oui, vous avez raison. Mais il a une orphelinat ici, azana bana o aya tangisaka o ya prenant en charge aba musuza zo tangisaka bango na libanda za makambo bat ba yebite, mais il a fait ça cette fois-ci comme c'est le mois de la femme tozana mois de mars oyo mokilezo célébrer mois-ci, et il a pensé
kopesa bolingo na ye et pa ya ba mama o bazangi sa ba mibali. Donc aya ko sepelisa ba veuve. C'est quelque chose qui est déjà organisé en collaboration na banana ye o bazo représenté ye awa bazo ki DG Sika noin et Sika Zoma ki déjà Sika wa puto ko sangisa des milliers de veuves oyo akokomise la bango donaye oya bongisa ki pona kopesa ba mama ba veuve. Alors l'action porte sur quoi? Ezakaka ko soutenir ba mama ou c'est une vision que le serviteur de Dieu a eu pour ces moments où on célèbre la femme? Je crois que c'est quelque chose qui est dans son sang. Les apôtres Alpha Luka ou les pasteurs Alpha Luka ou c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Tous les jours, que mes fils, je suis ce que je suis parce que je sais donner. Quand vous donnez, vous recevez. C'est par les rares hommes de Dieu, oyo, à des fois, namona kasala kaba action, oyo, ou vandi bota le binzambe nangai. Donc, il fait des choses, il donne tout son mieux pour les gens. Alors, comme vous avez dit, il existe une organisation si grande, ils ont implanté partout dans le monde, na kombo na ye. Oyo ye moko achaka ba fond na ye propre pona ko lesa batu pona ko salisa batu pona ko sunga batu pona ko sunga babola. Alors cette fois-ci le ko lesa mois ya ba mama mois de mars il a pensé venir pona ko sepelisa ba mama o bazanga ba mibali. Donc c'est ça la vision qu'il a menée pour Kinshasa. Sora terango ipana bino, c'est également quelque chose donc il faut à l'apport de d'autres serviteurs de Dieu également. Oui, également. Donc c'est également pour demander aux serviteurs de Dieu bah emboîter les pas, bah comment on peut saper au moins le plus minimum en fait na bango pour ces démunis, pour ceux qui manquent, pour ceux qui souffrent. Raphaël, c'est ça le ministère qu'a fait Jésus. Jésus n'avait pas prêché seulement la parole. Jésus a eu des moments de donner sa vie, donner la tous demain à 9h, eh bien, vous allez voir ce que l'homme de Dieu va faire pour tous ces mamans, ba veuve, ba milliers ya ba mama ba veuve oyo ba kozala wana nesika wana pona kozwa oyo uti na motema. Vous êtes également un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, mon ko ba représentant à l'église Alléluia Amen. Vous avez une grande église en Angola. Alléluia ministère international. Alléluia ministère international plutôt. Merci. Vous avez une grande église en Angola aux hommes de Dieu. Au peuple de Dieu. Au barreau, traverser cette période, c'est vrai que pasteur Alpha Luka vient avec son apport, son soutien financier, tout sur le social en fait, il y a Olié Sabato. Mais il y a également la parole de Dieu, au recueil, mais ça peut être le peuple de Dieu, où en ce net moment, on traversait des moments très difficiles. Cette pandémie à coronavirus, même sous Baza, veuveté, mais Bazali quand même dans le foyer, mais Baza dans la difficulté, dans le moment, et surtout la mois, comment, le mois de la femme. Au recueil, ça va m'en dire. Bon, ce que je peux dire, Ezali, yako vraiment yako encourager, bande konyonso, que ba perdre espoir et pas nzambete, ou perdre confiance na bine pas nzambete. Nzambe oyo atala ki ba veuve, ba orphelin ya Bible, azape nzambe o akotala. Continue kotale la nzambe, continue ko confier na maloba na ye, lobi ya malamu, Ezali boso na biso. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi là, tu ne seras jamais atteint. Et l'ingi kolobake, souffrance est côté les mains, na gauche, na droite, mais tant que l'ingi kana yuez. Combien déjà dans quatre églises, je sentais déjà l'onction venir. Donc ça est fini pour cette édition, merci de l'avoir suivi. Ezaki, juste pour vous annoncer d'abord ces grands événements pour demain, l'homme des dieux Alpha Lukaou, le prophète Alpha Lukaou va devoir en fait soutenir, faire parler son cœur en soutenant ma femme veuve, ma délaissée, ma marginalisée, ma oubliée de la société. Amen. Donc, Rosana Bango, c'est déjà pour demain samedi, la place au Rosala bien déterminée. Et vous aurez également les images sur Info des 143. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi sur Info des 143, également sur Congo Web Télévision. Merci, pasteur Ricardo, pour votre disponibilité. Merci, mon Je rappelle frère. Je rappelle qu'il y a représentant Yabé et Église, Alléluia, ministère international, au Ezali Bongo, na monde entier, Ezali dirigé pasteur et par pasteur Alpha Luka. Ou, moi, j'ai un bon cas. Ah ben oui, hein, il faut le dire. Il est la fierté du Congo. Ah ben oui, mais ouais. À un moment donné, on avait comme l'impression qu'il avait oublié le Congo. Non, il n'a pas oublié le Congo. Vous savez que le pasteur Alpha Luka, c'est quelqu'un qui fait les choses dans le silence.
il fait les choses dans le silence. Et vous savez que ce qu'on fait ici, c'est une surprise. Lui, Aouzala surpris tant au monde à ma campo. Et de l'autre côté également, le pasteur Alpha Lukaou, il le reconnaît pour manquer à bateau ou babusta économie en fait. Le manquer à bateau, injecta plutôt. Raphaël, vous savez que vous surprendre, vous êtes informé en tout, vous savez. Pasteur Alpha Lukaou, c'est quelqu'un, ça c'est vrai que vous venez de dire là, c'est trop vrai. Tout le monde peut faire des investigations, à couper ses raisons. C'est parmi les grands acteurs économiques sud-africains. Moutou a tomboli économie à Sud-Afrique. Ou a tomboli économie à la banque à Sud-Afrique. Économie Afrique du Sud, Ezali, Eza, les lobbystés. Nanzela, il y a Pasteur Alpha Lukaou. C'est quelqu'un qui a injecté son argent, pas seulement en Afrique du Sud. Les lois ont travaillé dans la banque portugaise, les lois ont travaillé en Angola, à Tonga. Il fait des choses par-ci par-là dans le monde. Par-ci par-là. Non, au Congo, il y a quelque chose peut-être que les gens ignorent. Pasteur Alpha est là dans la construction ici au Congo. Il a des engins. C'est comme. Il travaille dans le silence. Je vous assure qu'il a une grande compagnie ici, Alkin, Alpha Lukaou, King. Ils ont implanté Awa. C'est ici dans le boulevard 30 juin, en face de la poste, là où se trouve, son bureau. Ils ont des engins. Azana nini munene na niveau ya na côté ya Kasangulu. Un grand espace là où ils sont en train de faire l'agriculture. Il a donné à Pessi Moussale Paba Congolais Bélé. Il travaille dans le silence. C'est quelqu'un qui travaille dans le silence. Il est là, il est en train de travailler pour le bien des Congo. Voilà. Alors c'est une bénédiction alors d'avoir Nambo Kanabiso et des Congolais comme ça. Il est cité parmi les millionnaires également. Ça n'est fini pour cette édition. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs, sur Info des 143. C'était juste une annonce en rapport avec l'activité de demain. Et surtout, demain, ne ratez pas Bourzola et images en intégralité et exclusivité sur Info des 143. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir suivi. Au revoir.